Je suis venu au cyclisme bien trop tard pour devenir coureur. Je ne suis donc qu'un suiveur qui cherche à remonter le fil d'anciennes histoires qui font la légende du Tour de France. Ces gestes de bravoure, ces drames, ces épopées et ces tricheries, avec l'espoir de croiser quelques fantômes. Il faudrait se méfier des lectures. Prenez l'écrivain Antoine Blondin et ses 500 chroniques sur la Grande Boucle. C'est un peu à cause de lui que je me suis retrouvé à Bayonne au mois de juin, au beau milieu de la nuit. Du Pays Basque, je n'ai pas vu grand-chose. Les coureurs de 1913 étaient partis eux aussi à 3h du matin, direction Luchon. L'étape figure en bonne place dans l'Odyssée du Tour. Eugène Christophe, qui brise sa fourche dans la descente du Tourmalet, parcourt une quinzaine de kilomètres à pied avant de la réparer lui-même dans une forge de Sainte-Marie de Campan. Les champions se reconnaissent au palmarès, l'école du Tour de France aussi. En la matière, l'Aubisque présente quelques solides références. Escaladée la première fois en 1910, elle l'a été 72 fois depuis. Dans son journal du lendemain, Henri Desgranges, le créateur du Tour, décrit une scène des plus chaotiques. Les coureurs doivent mettre pied à terre à plusieurs reprises en raison du mauvais état de la route. À 1000 lieues du billard sur lequel je progresse aujourd'hui. Comme l'année précédente, Christophe bascule en tête avant de plonger dans le cirque du Littor. Un bon présage pour celui qu'on surnommait le vieux Gaulois à cause de la longueur de ses moustaches. En 1913, il a 28 ans, ce qui n'est plus tout à fait jeune pour un sportif, et je passerai presque pour un vieillard avec mes 50 ans. Christophe est déjà loin devant moi, au pied du Tourmalet. Une montée âpre, avec sa fin en zigzag. Le Tour est une épreuve de surface qui plonge ses racines dans les grandes profondeurs. C'est encore de Blondin. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont précipités sur le bord des routes pour acclamer Bobet, Anquetil ou Poulidor, Thévenet, Hinault et même Richard Virenque. Suivre les mêmes routes que les champions d'hier est un moyen de remonter le temps en même temps qu'on avance, de convoquer une histoire qui est notre histoire. Le Tour de France nous donne à voir des deux côtés du miroir. Le passé et le présent, les journaux et la radio et la télévision, le noir et blanc et la couleur, les champions et les cyclistes du dimanche, et puis les héros et nous autres, les gens ordinaires. J'ai satisfait à la photo rituelle devant le panneau du col, mais je ne me suis pas éternisé là-haut. J'ai préféré le présent au passé. Serrer d'abord les freins dans les premières épingles, sans m'arrêter à l'endroit où Christophe est tombé. Le jour montre ses premiers signes de fatigue avant de décliner inexorablement sous l'effet d'un variateur invisible. Boucler la boucle, de la nuit à la nuit. Pour le champion, c'est dans le dernier col que les courses se gagnent. Pour l'amateur, il est plus proche du chemin de croix. Je suis monté à Aspin, à Loudenvielle et à Peyrosourde. J'ai guetté chaque panneau de chaque kilomètre. J'ai senti les forêts autour de moi, j'ai distingué les lumières et les hommes qui vivent en contrebas. Le Belge Philippe Thys s'est présenté à Luchon sur les coups de 17h. L'étape bouclée à plus de 23 km/h de moyenne. Eugène Christophe est arrivé à 20h30. Je suis arrivé un siècle plus tard sur les coups de 21h. Je me fiche bien des chiffres, mais ils nous disent quand même qui étaient ces types et la portée de leur exploit. J'ai beau être cuit, comme on dit dans le jargon, en descendant de mon vélo, je souris comme un gosse. Ce soir, le vieux Gaulois, c'est moi.